Et ça me permet une transition très habile avec la séquence suivante, qui sera précisément consacrée à certains de ces nouveaux usages. Parmi les plus prometteurs en termes de croissance, d'emploi et de développement équilibré, donc e-éducation avec l'exemple des MOOC, e-gouvernement ou e-santé. Alors, comme vous le savez, ces sujets, et de façon plus générale le numérique, constitueront un thème majeur de la rencontre de nos chefs d'État en décembre. Le numérique est déjà un domaine de coopération entre nos pays, et c'est un domaine de coopération que la France souhaite approfondir avec vous. Donc j'espère que nous repartons tous convaincus que la transition numérique est une chance pour nos pays et que c'est ensemble que nous pouvons en relever les défis. Et donc, pour passer directement à la dernière séquence de ce sommet, pour laquelle nous avons quatre interventions, je vais passer la parole à M. Gardy, normalement. Juste à titre logistique, on vous demande de faire des interventions brèves de 5 minutes maximum pour laisser du temps aux interventions des délégations, sachant que je pense qu'on va se revoir sur l'ensemble de ces termes, usage numérique innovant au service du développement, dans le cadre d'une nouvelle rencontre France-Afrique qui est en projet, donc ce n'est pas une annonce, mais qui pourrait avoir lieu, disons, courant 2014. Donc considérez ça plutôt comme une accroche ou un teasing. Vous êtes là, pardon. Donc je vous laisse la parole sur le thème de la transition numérique et des perspectives qu'elle offre. Donc, comme ceci a été bien décrit, le dividende numérique va libérer un certain nombre de fréquences permettant le développement de nouveaux services innovants. C'est ce qui s'est produit notamment en France, hein, puisque avec le passage à la télévision numérique terrestre, on a pu libérer un certain nombre de fréquences pour le développement de services télécom innovants. Vous l'avez vu ces derniers jours en vous promenant dans Paris, tous les opérateurs communiquent actuellement sur le lancement de la 4G. Donc, on va passer tout de suite au slide suivant. Oui, merci. Ce que l'on observe aujourd'hui chez l'ensemble des opérateurs, c'est que on est passé d'un modèle où, je dirais, ils étaient eux-mêmes au contrôle et ils décidaient du plan de route, véritablement du développement des nouveaux services, vers une situation où un marché vertical s'est développé, les usages sont développés et ça a transformé considérablement la vitesse à laquelle en fait les réseaux devaient s'adapter. Il s'est avéré que les usages qui étaient centrés effectivement autour de la télévision reste le point clé de l'usage bien sûr audiovisuel, mais c'est une situation de fait. L'ensemble des usages se sont développés sur d'autres types d'équipements, de par la poussée d'acteurs qui, effectivement, avaient intérêt à distribuer ces nouveaux types d'équipements. Donc, on se retrouve dans une situation qui est assez complexe pour les opérateurs, mais auquel, justement, la plupart maintenant ont remédié. C'est que les coûts de programmation, les coûts de la grille, comme on dirait dans un langage télévisuel, n'ont pas cessé d'augmenter. En contrepartie, les revenus pour ces opérateurs associés à ces nouveaux services arrivent, mais tardent parfois à rattraper le coût d'investissement dans les programmations pour bénéficier d'une offre exclusive et attractive pour leurs abonnés. Que les nouveaux utilisations sont là, c'est-à-dire qu'on n'est plus, on parle plus d'un phénomène un petit peu science-fiction sur ces nouveaux usages. Quand on entend parler de chiffres de 40 à 50 millions d'utilisateurs réguliers sur des services de type Netflix, 23% du trafic Internet qui est généré pour ces... On voit qu'on est aujourd'hui dans un usage qui s'est réellement déployé. Donc aujourd'hui, nous, comment on essaye de contribuer à ça ? C'est qu'on voit que l'expérience, la télé reste l'élément clé, mais que même si l'expérience télévisuelle sera toujours fondamentale, on ne peut pas nier qu'il y a des usages autour de la télévision qui se sont développés. Donc Alcatel-Lucent, mais comme beaucoup d'autres acteurs du domaine des télécommunications, accompagnent les opérateurs pour leur permettre justement de, eux aussi, participer à ce développement des nouveaux usages sur le PC, les téléphones mobiles, les tablettes, les consoles de jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé d'une stratégie unidirectionnelle où on devait juste adresser soi-même son service à profiter du développement en fait de ces nouveaux équipements. Donc
Là où on a beaucoup entendu parler, effectivement, un autre phénomène qui est assez clé et qui est en train de survenir dans tous les pays, c'est que là où on était dans une approche très verticalisée autour justement du décodeur dont on a beaucoup parlé, il s'avère que le financement des équipements est arrivé, je dirais, indépendamment des opérateurs, par la distribution de toutes ces tablettes, PC, smartphones et ainsi de suite, et qu'aujourd'hui, les opérateurs qui sont pourtant historiquement, véritablement dans la culture du marché, de la PTV, la verticalisation comme ça des équipements, ont tout simplement constaté qu'il fallait bénéficier et s'appuyer sur ces nouveaux terminaux. Donc, je vais citer un exemple parmi d'autres, parce qu'on avait notre collègue de Canal+ qui était là. Canal+ n'a pas a cessé, je dirais, à un moment donné, d'avoir une situation défensive, mais a pris à bras-le-corps véritablement cette situation du développement des PC, des smartphones, des tablettes, pour tout simplement aller adresser ces équipements, y voir son intérêt, puisqu'effectivement c'est un marché qui du coup n'est pas à financer en termes d'équipement. Il est autofinancé par les usagers qui achètent d'eux-mêmes ces équipements-là, et pouvoir, d'une manière plus générale, amortir l'investissement sur leur contenu, sur aussi ces nouveaux usages. Voilà. Donc un exemple concret, là, je citais là, c'est un exemple intéressant, c'est qu'on en parle depuis longtemps, mais bon, on se disait, est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive vraiment? Les derniers Jeux Olympiques étaient un exemple flagrant de réalité, en fait, de l'usage multi-écran. C'est-à-dire que la BBC, qui est quand même une référence dans le domaine, a vu effectivement l'usage se transférer, je dirais, de l'usage de télédiffusion traditionnelle vers l'accès à tous ces devices connectés qui représentaient jusqu'à, au moment des pointes, notamment de trafic, jusqu'à 34% de l'audience quotidienne. Donc, bon, c'est une réalité, ça arrive. Après, à quelle vitesse il faut s'y préparer? Alcatel Lucent est dans ce rôle-là, historiquement, toujours d'accompagner comme ça les différents fournisseurs de services, qu'ils soient opérateurs ou autres, pour adresser ce nouveau besoin. On le voit au niveau des réseaux. Alors, c'est vraiment pour vous projeter une image de ce qui se passe déjà en Europe, ce qui se passe en Amérique du Nord, ce qui se passe dans certains pays d'Asie-Pacifique, et qui arrive déjà, on l'a vécu dans des partenariats de projet sur certains pays d'Afrique, hein, où on avait, par exemple, avec la Sonatel, on avait beaucoup participé au développement de la télévision mobile, que ce soit avec les différentes filiales d'Orange, effectivement, dans les pays africains. On est passé d'un mode de consommation qui était, enfin, qui est en train de se transformer pour adresser tout simplement ce besoin qui est, il y a de nombreux équipements maintenant, on ne peut pas tout préparer à l'avance, tous ces équipements demandent à accéder à ces contenus, et il faut donc avoir un réseau derrière qui permette de répondre de manière beaucoup plus dynamique, en fait, à l'adaptation de ces contenus sur tous ces nouveaux équipements. Donc tout le développement des réseaux, qui était dans une vision, je dirais, très unidirectionnelle, où on préparait un contenu, on le diffusait le même à tout le monde, a fortement évolué, et ça ne va pas se réduire, ça ne va faire que s'accélérer de par la poussée de tous ces équipementiers, de tous ces nouveaux acteurs, vers une capacité à transformer le contenu de plus en plus dynamiquement pour adresser ces nouveaux supports. Je termine juste, je sais que j'avais 5 minutes, donc il faut que je termine en 30 secondes maintenant. On le voit, la transformation du réseau qu'on voit s'opérer, sur lequel on accompagne nos différents clients, a lieu, je dirais, dans le foyer, de par le fait que des normes s'établissent de fait sur la standardisation de communication des équipements dans le foyer, DLNA étant l'une des principales normes. On le voit donc dans des premières expériences commerciales, hein, depuis 1 ou 2 ans, où certains contenus maintenant sont gérés pour permettre comme ça aux utilisateurs de plus facilement accéder aux contenus sur différents équipements chez eux, à domicile ou à l'extérieur, de répondre aux besoins de l'opérateur, aussi de fidéliser ses abonnés ou ses utilisateurs autour de contenus personnels, parce que souvent l'enregistrement personnel est un moyen clé de fidélisation des clients. Transfert ces contenus-là sur le réseau pour pouvoir, là encore, généraliser l'accès à ces contenus sur différents types de terminaux, et non plus, encore une fois, dans une vision uniquement, on transfère le contenu jusqu'à l'abonné dans son foyer pour son usage télévisuel uniquement. Cet usage, encore une fois, se multiplie. Ça amène quoi? Ça amène beaucoup de choses au niveau de transformation des réseaux, puisqu'il faut être capable maintenant de plus en plus d'aller à la fois traiter le contenu à la volée, mais aussi aller le répliquer en différents points du réseau pour permettre de garantir un accès avec une qualité d'image, une qualité de service qui soit suffisante pour les utilisateurs. Et un autre aspect qu'on voit survenir de plus en plus, c'est la personnalisation, effectivement, de l'accès au contenu. Alors,
Là encore, ça pourrait sembler un petit peu discours de science-fiction, mais il y a des exemples très concrets. C'est que là encore, les éditeurs ont un intérêt très très clair dans le sujet. C'est un moyen aujourd'hui pour eux de transférer une partie, je dirais, du manque à gagner sur les recettes publicitaires vers des nouveaux types de recettes associées en fait à une connaissance un peu plus pointue des usages finalement de l'utilisateur pour aller vers la publicité interactive, qui là encore est un mot dont on entend parler depuis longtemps, mais qui est devenu maintenant une réalité. Et encore une fois, surtout, aller amortir l'investissement sur le contenu sur un maximum de supports. Donc voilà, en deux mots. Le dernier slide, c'était juste quelques exemples concrets, je ne vais pas les décrire là, mais c'est pour montrer que dans les 2-3 dernières années, il y a maintenant des services commerciaux ouverts, généralisés à plusieurs millions d'abonnés, qui utilisent ces nouveaux principes. Et bon, on voulait effectivement, au titre d'Alcatel-Lucent, qui est le partenaire clé du développement des réseaux ultra haut débit, aussi bien fixe que mobile, vous dire qu'on est bien sûr prêt à accompagner ces nouveaux types de projets et contribuer au développement de ces nouveaux réseaux. Bien, merci pour cette intervention qui illustre bien les possibilités offertes par la convergence et les nouveaux terminaux aux opérateurs, qu'ils soient de télécommunications ou audiovisuels. Alors, parmi les nouveaux services qui présentent des enjeux tout à fait considérables, il y a tout le domaine de la e-éducation et en particulier le domaine de très grande actualité des MOOC sur lequel doit intervenir M. Thierry Curial d'Orange. Merci. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les directeurs, bonjour. Merci au ministère français d'accueillir Orange, de lui donner l'opportunité de proposer son aide au déploiement de vos ambitions nationales en termes de e-learning et plus largement, comme M. Ravier vient de l'exprimer, en matière de nouveaux dispositifs numériques d'apprentissage, dont les MOOC sont aujourd'hui les plus fervents représentants dans la presse. Et donc, plutôt que de prendre la parole, là, tout de suite, j'ai envie de vous la donner. J'avais plusieurs slides, je vais pas tout passer, parce que vous êtes sans doute assommés par un ensemble d'informations, pas toujours très, très simple à digérer. Alors, j'ai envie tout de suite de vous donner la parole. Monsieur Ravier parlait de MOOC. Est-ce que quelqu'un dans la salle pourrait nous dire ce que ça signifie afin qu'on ait tous le même niveau d'information? Lancez-vous. C'est un acronyme, le ABSCON pour vous, ou bon, MOOC, Massive Open Online Courses. En français, cela signifie que désormais, le monde est devenu un amphithéâtre et que de grandes universités, pour l'instant américaines, mais aussi européennes, diffusent massivement à toute personne, quel que soit son niveau, des formations en ligne issues des plus grandes universités et grandes écoles d'excellence, en particulier en ce moment, Stanford, MIT, Berkeley, Wesley, Harvard, etc., etc., Polytechnique, HEC. Alors, ce que je voulais juste vous dire sur les MOOC, puisque je vais focusser mon intervention là-dessus, sur ces nouveaux dispositifs numériques d'apprentissage massifs, Orange se positionne comme il le fait pour son cœur de métier, c'est-à-dire comme un opérateur proposant une intermédiation entre des apprenants qui ont besoin d'être formés, soit en formation initiale et ou continue, et bien évidemment des pédagogues qui ont des offres à proposer. Et je sais que dans vos différents pays, il y a une vraie volonté aujourd'hui d'être producteur de vos propres ressources pédagogiques, à la fois libres de droit et ouvertes au monde africain, bien entendu, mais plus largement en dehors des frontières de l'Afrique. Donc Orange se propose d'être le fournisseur d'une plateforme francophone de MOOC. Et je dis bien francophone parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs mondiaux, que sont Coursera, edX, Udacity, Udemy, Eversity en Allemagne, OpenMOOC en Espagne, ou bien alors MyriadaX ou OpenCourseWorld, sont pour la grande majorité d'entre eux anglophones. Donc
la francophonie a été oubliée sur la question des MOOC et Orange voudrait le signifier et se proposer comme étant l'opérateur. Alors ça se traduit par trois rôles majeurs. D'abord, il vous faut des infrastructures. Un MOOC, c'est un cours en ligne. Il faut le jouer sur une plateforme. On appelle ça un Learning Management System. Orange peut être le fournisseur d'une telle infrastructure. Et autour de cette infrastructure, de services intelligents à construire avec vous en fonction de vos ambitions nationales. Le deuxième rôle, c'est d'être un rôle de consultant, en fait, finalement, à travers une Open Learning Agency qui vous aidera tout le long de la chaîne de valeur, je vais y venir, à partir de vos contenus autoproduits ou déjà produits qui sont à votre disposition, de vous aider à faire de l'ingénierie pédagogique selon ces nouveaux dispositifs innovants d'apprentissage. Et enfin, le troisième rôle, Orange ne souhaite pas faire tout ça tout seul, bien évidemment. La légitimisation d'Orange sur ce domaine repose essentiellement sur un principe, c'est le principe d'open innovation, c'est-à-dire d'innovation ouverte, de co-construction, de co-élaboration d'expériences numériques éducationnelles avec vous, pas tout seul dans notre coin. Alors, Orange travaille déjà avec vous, bien évidemment, depuis longtemps. Et sur l'éducation, aujourd'hui, pour faire très simple, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale au Niger, en compagnie d'une ONG, Aide et Action. Le propos étant de fournir des accès à des ressources pédagogiques sur tablette. Nous travaillons aussi avec l'AUF, en proposant sur des mobiles des compléments pédagogiques. Et nous travaillons aussi avec le RAES et Planète Finance. Et nous proposons, via des mobiles, qu'ils soient des smartphones, comme on dit, ou des basic phones, parce que nous avons bien conscience que l'Afrique francophone n'est pas forcément aussi bien équipée qu'ailleurs en smartphone. Donc, des formations auprès de jeunes entrepreneuses camerounaises. Et enfin, la Fondation Orange a financé à hauteur de 100 kilos euros une formation français langues étrangères auprès de l'Université de Tunis, en partenariat avec un consortium franco-belge qui s'intitule Claroline. Donc nous travaillons déjà avec vous. Bien évidemment, nous aimerions travailler encore plus, puisque à l'horizon 2050, il y aura 700 millions de francophones dans le monde et 90% d'entre eux seront africains. Et donc c'est aujourd'hui que des partenariats se tissent pour répondre aux énormes besoins que vous connaissez dans chacun de vos pays en matière de formation à distance, formation présentielle bien sûr, mais à distance, puisque finalement, le distanciel permet de lever les contraintes géographiques essentiellement. Alors, comment Orange peut-il vous aider à nourrir vos ambitions nationales? C'est très simple, ça tient en un seul schéma. Et on va commencer par le bas, un cloud. Alors là, je ne vais pas vous poser la question de savoir ce que c'est qu'un cloud, parce que bon, certains d'entre vous le savent bien évidemment, mais c'est un mot un peu savant pour dire que si vous développez vos propres contenus ou si vous utilisez des contenus développés en dehors des frontières naturelles de vos pays, bien évidemment, il faut que ces contenus soient stockés quelque part et il faut qu'ils soient stockés de manière sécurisée. C'est ce qu'on appelle un cloud. C'est donc une solution d'hébergement à la fois de vos vidéos. Vous n'êtes pas sans savoir que Dailymotion appartient à Orange et que donc on peut stocker vos différentes vidéos produites ou vos contenus existants dans le cloud de Dailymotion, mais aussi toute autre forme de contenu en PDF, en Word, en Excel, etc., etc. Donc on vous assure une sécurisation de ces contenus. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure d'un Learning Management System, donc une plateforme permettant de jouer des MOOC. On la met à votre disposition. Des services intelligents par-dessus qu'on peut concevoir avec vous. Et bien évidemment, un portail d'accès, puisque si vous développez des formations à distance, sous la forme d'un catalogue, par exemple, on peut vous aider à les présenter à partir d'un portail. Et tout le long de cette chaîne, eh bien, la Open Learning Agency d'Orange peut vous aider à mettre en œuvre vos ambitions. Je vous passe la chaîne de valeur, c'est trop compliqué. Mais tout commence par les contenus, c'est-à-dire vos contenus. Merci. Si vous avez des questions... Merci. Malheureusement, le temps est un peu limité pour les questions. Mais donc vous aurez compris que, bien qu'on utilise un acronyme d'origine anglo-saxonne, la France est bien présente dans le domaine des MOOC.
Alors, parmi les autres domaines qui présentent de grands enjeux, il y a celui présente de grands enjeux et qui me paraît d'un intérêt assez direct pour les acteurs publics que vous êtes. Il y a tout le domaine donc des services aux citoyens, sur lequel nous avons prévu l'intervention d'un duo constitué de Monsieur Meva de Gemalto et de Madame Gaudry Perkins d'Alcatel-Lucent, auquel je cède immédiatement la parole. Merci de me donner la parole. Je vais parler moi de l'identification numérique, e-government et e-santé au service du citoyen, en mettant l'accent sur la sécurisation de l'identité, qui va amener la nécessaire confiance dans les services offerts pour en favoriser l'adoption. Permettez-moi d'abord de dire quelques mots rapides sur Gemalto. Donc, prochain slide, s'il vous plaît. Donc, Gemalto est le leader mondial de la sécurité numérique. Nous intervenons sur 5 segments de marché, principalement. Le premier étant le marché des télécommunications mobiles, où nous fournissons aux opérateurs des télécoms plus d'1,5 milliard de cartes SIM chaque année, ainsi que des services pour gérer leur base d'abonnés. Second segment de marché, c'est la communication de machine à machine. Le troisième étant tout ce qui est paiement électronique, c'est les cartes bancaires à puce pour les banques et les services associés. Je mettrai l'accent dans ma présentation sur tout ce qui est service offert par les gouvernements aux citoyens. Dans ces services qui sont offerts aux gouvernements aux citoyens, il y a un élément de base qui est le document d'identité. Gemalto, nous fournissons en un certain nombre d'États des passeports électroniques, des permis de conduire, des cartes grises ou des cartes d'identité, des cartes d'identité électroniques. Cet ensemble de documents électroniques que nous fournissons doit s'appuyer sur un élément fondamental, cet élément fondamental étant l'état civil. Aujourd'hui, une des problématiques majeures d'un certain nombre d'États africains, c'est l'absence d'état civil fiable. Donc, lorsqu'on parle d'identité numérique, il faut qu'on commence d'abord par régler le problème des états civils. Donc la modernisation et la fiabilisation des états civils. D'accord ? Le slide d'après, s'il vous plaît. Donc la sécurisation de l'identité, notamment pour les administrations, vise un certain nombre d'objectifs. L'un des premiers est de contribuer à l'amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens. L'autre, c'est de contribuer à l'efficacité de l'administration. Et lorsqu'on parle de l'efficacité de l'administration, il y a un certain nombre de points qu'il faut mettre en avant. C'est évidemment la simplification des processus, c'est la limitation du temps de traitement des dossiers, mais c'est également la réduction des coûts des services qui sont offerts aux citoyens. Et dans la réduction des coûts, il y a notamment la lutte contre la fraude. Lorsque vous avez des bases de données fiables qui s'appuient notamment sur des éléments biométriques, vous pouvez éliminer un certain nombre de travers que l'on constate aujourd'hui sur le terrain, qui sont notamment des fichiers de solde qui sont truffés de noms qui ne doivent pas y être, et qui donnent lieu à des versements de salaires multiples ou de salaires indus. D'accord ? Donc, l'identification numérique, slide d'après, s'il vous plaît, c'est d'abord des documents d'identité numérique sécurisés, mais ce n'est pas simplement ces documents d'identité numérique sécurisés, c'est également des moyens d'identification de la personne. D'accord ? Ça doit s'appuyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un état civil électronique fiable. Il existe aujourd'hui des technologies qui permettent de mettre en place assez rapidement des états civils sécurisés, modernes et fiables. Notamment, vous voyez en bas à gauche un kit d'enrôlement biométrique. Ce kit d'enrôlement biométrique qui est une sorte de kit de valise mobile qui fait 10 à 15 kilos, dispose de tous les composants et le logiciel nécessaires pour prendre toutes les données d'un citoyen, que ce soit la photo, les empreintes biométriques, de scanner les documents existants, etc., et de constituer ainsi une base qui va servir de socle pour établir un état civil fiable. Et avec des équipements comme ça, l'État peut se rapprocher des citoyens et adresser les populations qui sont dans les zones rurales. C'est-à-dire que le citoyen n'est plus obligé de se déplacer vers l'administration, c'est l'administration qui va vers le citoyen
pour l'aider notamment à déclarer tous les actes de la vie. Donc, au-delà donc, de la mise en place de ces bases de données, il y a toutes les solutions qui permettent d'émettre les documents et de les vérifier, ces documents-là, lorsqu'ils sont sur le terrain. Merci. Donc, pour offrir donc, une palette qui est relativement large hein, de services en ligne pour les citoyens, que ce soit demander un acte d'état civil, payer ses impôts ou ses taxes, etc., il faut, pour favoriser ces usages-là, une nécessaire confiance dans les solutions qui sont déployées. Cette nécessaire confiance passe par l'identification électronique, ce dont je parlais tout à l'heure, la sécurisation des états civils. Ça passe par l'identité numérique des citoyens eux-mêmes. Ça passe par l'identité numérique des professionnels qui opèrent les solutions ou offrent ces solutions. Ça passe par le droit au paiement, la sécurisation des électeurs, par exemple, lorsqu'on parle d'élections et de fidèles. On peut parler d'élections biométriques de plus en plus. On voit sur le terrain la mise en place de fichiers électoraux biométriques. Ça passe par des solutions de ce type-là. Le passage aux frontières est aussi une des applications ou un des usages qui s'appuie sur des moyens ou des documents qui sont sécurisés. L'administration des titres électroniques sont également un des usages ou une des technologies qui permettent de faciliter les usages du numérique. Le prochain, s'il vous plaît. Voilà. Au cœur de tout ce qui est service en ligne ou service numérique, il y a un composant électronique qui est la puce. Ce composant électronique-là, que l'on retrouve aujourd'hui dans les passeports, les cartes d'identité ou tout autre document d'identité, est l'élément clé qui va permettre d'agréger à l'intérieur un certain nombre d'applications qui sont offertes par de multiples prescripteurs. Dans un document d'identité électronique aujourd'hui, vous pouvez avoir des applications de transport, vous pouvez avoir des applications de santé, vous pouvez avoir des applications de paiement. Il y a un certain nombre de pays aujourd'hui qui ont adopté des cartes d'identité électronique. En Afrique, il y en a déjà deux, c'est l'Afrique du Sud et le Nigeria, mais il y en a d'autres qui sont en préparation. On estime aujourd'hui à un peu plus de 300 millions le nombre de documents d'identité électronique qui sont en circulation, et ceci va aller croissant. Et ces documents d'identité électronique vont permettre de favoriser l'adoption de services en ligne offerts par les États ou les gouvernements à leurs citoyens. Donc, le document d'identité, carte d'identité n'est pas le seul hein, moyen pour accéder aux services en ligne. Il faut avoir des solutions qui permettent un peu de démocratiser les usages. Dans ces solutions, il y a tous les dispositifs électroniques que vous voyez à l'écran, notamment les téléphones portables ou les smartphones qui sont beaucoup plus adaptés au marché africain et qui permettent d'atteindre plus facilement les populations rurales. Je ne vais pas m'attarder sur la partie e-santé que va aborder ma collègue juste après. Je vais passer au slide suivant, juste pour insister encore sur le fait que l'utilisation de la puce électronique est un des moyens qui permet de sécuriser les services qui sont offerts aux citoyens. Au-delà de sécuriser ces services-là, elles permettent également d'offrir un certain nombre de palettes de services à ce même citoyen. Donc, c'est un outil qui permet de stocker un certain nombre de données, qui permet d'identifier de manière forte le patient, mais également le professionnel de santé. Et c'est un outil qui permet de valider en fait la transaction, parce qu'il y a une autorisation préalable qui est demandée à l'usager, et il y a une preuve de consentement et de présence qui est également offerte. Donc, juste à titre d'exemple, je terminerai par là. Nous avons déployé Gemalto au Gabon avec la CNAMGS, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la première carte de santé électronique en Afrique. Donc, le besoin ou le challenge de la Caisse d'assurance maladie du Gabon était d'étendre la couverture sociale à tous les citoyens, de moderniser le système d'assurance maladie, identifier de manière forte hein, chaque bénéficiaire du service. C'est une solution que l'État a mis en main qui a été offerte par Gemalto. On a enrôlé à 1,5 million de Gabonais à peu près aujourd'hui. Les cartes sont en cours de déploiement. Elles permettent une authentification force de l'usager et un déploiement au fur et à mesure du temps d'un certain nombre de services pour,
pour cet usage-là. Donc, si j'avais juste deux choses à vous faire passer comme message et que j'aimerais que vous reteniez, c'est que dans tout ce qui est service numérique offert par les gouvernements aux citoyens, il y a deux choses importantes. C'est d'abord que la base d'identité sur laquelle on doit s'appuyer soit fiable, donc c'est la nécessaire modernisation des états civils. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est l'intérêt d'utiliser une puce électronique dans l'ensemble des documents d'identité qui sont délivrés. Merci. Bonjour, messieurs, mesdames les ministres. Je suis aussi avec Alcatel-Lucent au sein du département des affaires gouvernementales et je suis très heureuse d'avoir l'occasion de parler des services mobiles donc pour le développement économique et social. C'est un sujet qui est passionnant. Je vais essayer de couvrir en l'espace de juste quelques minutes parce que je sais que le temps passe. On a choisi de rester plutôt sur le sujet de la M-Santé parce que, on ne va pas revenir sur les chiffres qui ont été attrisés. Là, on cite quelques exemples des services mobiles qui ont été développés. Comme on l'a vu, l'Afrique est une véritable terre d'innovation et très en avance sur tout un tas de choses par rapport au reste du monde. On a évoqué hier, évidemment, M-Pesa plusieurs fois, ou Shaidi, qui a été utilisé depuis sa création au Kenya en 2007, 25 000 fois de par le monde. 80% des paiements par les mobiles dans le monde aujourd'hui se font en Afrique, donc c'est vraiment formidable. Mais il reste beaucoup, beaucoup à faire dans ces domaines. Je pense qu'on n'est qu'à un début. Je crois que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, parce que vous êtes membre de gouvernement, c'est que le gouvernement a un rôle fondamental et primordial à jouer pour accélérer ces services, pour créer des incentives, etc. Et surtout un travail de collaboration très, très fort à faire avec les autres ministères. Donc on va regarder en l'occurrence quelques petites informations sur la M-Santé. Donc un ou deux chiffres qui frappent, pour ceux qui ne connaissent pas tellement ce domaine, il y a un rapport assez sérieux qui est sorti il y a quelques mois, qui estime par exemple qu'en Afrique subsaharienne, les services de santé mobile pourraient sauver 1 million de vies en Afrique subsaharienne donc d'ici 2015. Ou encore un autre chiffre qui est estimé sur les pays industrialisés, on estime que d'ici 2017, 400 milliards d'économies pourraient être générées par les services mobiles santé. Donc ça retient notre attention, ça c'est un peu général. Un ou deux chiffres également où l'état de la M-Santé dans le monde aujourd'hui, ça fait bien une dizaine d'années qu'on en parle, donc c'est un sujet qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui en même temps prend du temps à décoller, parce que c'est compliqué, ça demande à ce que le secteur d'éthique et de la santé travaillent ensemble, et c'est pas simple parce que ce sont deux secteurs qui sont très techniques en eux-mêmes. Alors il a été recensé à peu près 1000 projets M-Santé dans le monde cet été. Donc vous voyez, on n'est vraiment qu'à un début, d'autant que beaucoup de ces projets sont encore à des stades un peu pilotes et ne sont pas encore passés à l'échelle. Et là aussi, je souligne le rôle capital que le gouvernement doit jouer sur ces sujets, parce que tant que le gouvernement, la santé étant quelque chose qui touche beaucoup évidemment le public, n'a pas saisi toutes les opportunités que ces services mobiles par la santé pouvaient générer, il sera difficile de passer à l'échelle, parce que c'est un travail de collaboration entre le public privé très fort, et je dirais même aussi avec les ONG et beaucoup d'autres acteurs. Les pays émergents et les pays en développement, c'est un petit peu ce qu'on disait aussi, vous en Afrique, vous êtes les plus innovants sur beaucoup de ces services. Ça se voit déjà sur la M-Santé. Les pays leaders, vous voyez, sur les services M-Santé, sont Afrique du Sud, Inde et Brésil pour l'instant. Quand un rapport a été fait l'année dernière, une étude aussi pour interroger dans le public qui connaissait qu'est-ce que c'était que la M-Santé, vous voyez que dans les pays en développement et émergents, la population à hauteur de 61% avait conscience de ce que c'était que la M-Santé, alors que dans nos pays d'Europe et les pays industrialisés, vous n'avez que 37% de la population qui était familiarisé. Donc c'est assez symbolique aussi, je pense, de la réalité. Alors il n'y a jamais rien de plus parlant que des exemples, donc je ne vais pas tous les couvrir, mais au moins deux ou trois. Ça c'est un exemple donc, qui a été implémenté au départ en Afrique du Sud, qui est maintenant la fondation pour laquelle travaille avec 15 pays en Afrique, et a touché 50 millions de consommateurs déjà en Afrique avec des services M-Santé. Et cet exemple, j'aime beaucoup le citer parce que c'en est un qui est très très simple, qui a été implémenté déjà il y a un certain nombre d'années de ça, et qui démontre à quel point, même avec des choses simples, on peut avoir un impact en fait.
Donc il avait choisi d'envoyer des messages extrêmement simples par SMS, d'ailleurs gratuitement, puisqu'il a utilisé, il a négocié avec les opérateurs à l'époque, d'utiliser le système de « appelez-moi », vous savez, quand on n'a plus de crédit sur sa carte de prépayé. De sorte que ces messages étaient livrés donc gratuitement. Et c'était très très simple. Vous pensez avoir le sida, vous avez peur d'en parler, appelez le tel numéro gratuitement, donc qui sont les centres d'aide au sida. Donc sur la phase pilote, il a été généré 1,5 million d'appels au centre d'aide, à tel point d'ailleurs quand le service a été lancé, toutes les lignes ont craché, tellement ils ont eu d'appels. Voilà, donc ça, un exemple extrêmement simple et pourtant qui fait un effet considérable. Un autre exemple assez connu maintenant, qui lui est plus récent puisque c'était en 2010, mais ça peut avoir un impact extraordinaire sur tout ce qui est stock et distribution des médicaments. Il y a beaucoup de problématiques de distribution des médicaments dans les zones rurales, dans les centres de santé ruraux. Et par un simple système SMS, donc c'est Novartis et Vodafone qui ont implémenté ce projet avec d'autres partenaires, ils sont arrivés à réduire les problématiques de stock en l'espace de très peu de temps de 79% à 26%. C'est aujourd'hui, ce service est en train d'être étalé à plusieurs, étendu sur plusieurs pays d'Afrique. Des choses extraordinaires qui peuvent être faites au niveau de la formation. C'est un sujet qu'on a particulièrement travaillé chez Alcatel-Lucent, puisqu'on a beaucoup travaillé avec AMREF, qui est une ONG santé très reconnue en Afrique, présente depuis 50 ans. Là, en Afrique, on estime qu'il y a à peu près 2,3 millions d'agents de santé communautaire à former. Comment former toutes ces personnes? Là aussi, les technologies mobiles peuvent avoir un impact extraordinaire. Donc là, c'est un exemple que j'ai choisi en Inde et qui a beaucoup de succès, mais qui est aussi récent, c'est depuis l'année dernière. Mais il y a pas mal de choses en Afrique qui sont en train de se monter sur ce sujet-là également. Un autre petit exemple sur les vaccins. Donc en Mozambique, là aussi, les problèmes de stock ont été réduits de 80 à 1% pour les vaccins. Et on a augmenté également la population des enfants vaccinés de 69 à 95%. Voilà, c'est des petits chiffres pour retenir votre attention. Les médicaments illégaux, je pense que vous avez dû en entendre parler. C'est aussi un énorme problème à résoudre dans le monde entier. Mais c'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, la problématique est particulièrement grave parce que quelques pays sont touchés par plus de 50% de médicaments illégaux. Là aussi, des systèmes ont été mis en place, même avec des numéros SMS donc simples, qui permet de vérifier en fait l'authenticité des médicaments. Donc c'est un fléau qui quand même, on estime, fait 700 000 morts dans le monde. Donc là aussi, l'assurance santé mobile, mon collègue de Gemalto l'a évoqué, voilà. Voilà, et j'en termine là, simplement là c'était le slide, mais j'ai déjà évoqué toute l'importance de vous, acteurs du gouvernement, le rôle que vous avez à jouer dans c'est plutôt celui d'avant, parce que les challenges, je pense que c'est pas la peine d'en parler à ce stade. Beaucoup de travail à faire en collaboration entre les télécoms et la santé et des stratégies à mettre en place, beaucoup d'incentives à mettre en place et surtout simplement même de prendre conscience de l'impact des télécoms, de la connectivité et des mobiles qu'ils peuvent avoir sur ces secteurs. Merci beaucoup de votre attention. Bien, merci pour ces interventions qui ont bien illustré les enjeux de la M-Santé, de l'identité numérique et le savoir-faire français en ces matières, que ce soit en termes technologiques ou en termes applicatifs. Alors, l'identité numérique, donc c'est vraiment un domaine d'excellence française. La France, vous le savez, est à l'origine de quelques-unes des technologies clés dans ce domaine. Donc, nous allons poursuivre sur ce sujet, mais cette fois, non pas avec une perspective française, mais avec celle de la Banque mondiale, grâce à l'intervention de Madame Mariana Dahan, à laquelle je cède la parole. Merci. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici. Je suis Mariana Dahan, je travaille à la Banque mondiale à Washington, D.C. Merci aux organisateurs pour leur cordiale invitation. Comme beaucoup d'entre vous ici, je suis née dans un pays pauvre, dans une famille pauvre. Et le gouvernement de mon pays ne pouvait rien pour aider les pauvres de mon pays, tout simplement parce qu'il ne les connaissait pas. Les gens de mon village n'avaient pas de pièce d'identité. Bien, heureusement, depuis, les choses ont changé. Aujourd'hui, plus de 2/3 de la population mondiale dispose d'une pièce d'identité. 1/3 dispose d'une pièce d'identité,
plutôt d'une identité numérique, donc qui va au-delà juste de la pièce d'identité. On estime aujourd'hui qu'à l'horizon d'une petite dizaine d'années, à peu près 80% de la population mondiale aura une identité numérique. Pour moi, ce sont des magnifiques nouvelles. Et ainsi, les gouvernements ont enfin les moyens pour mettre en œuvre des programmes d'assistance sociale qui sont à la fois efficaces et qui excluent ou d'au moins réduisent les possibilités de fraude. Si l'argent doit atteindre les pauvres, voilà les moyens pour les atteindre. L'identité numérique offre la possibilité au gouvernement de connaître les pauvres de leur pays, littéralement par leur prénom. Aussi, ils peuvent connaître leur niveau de revenu, leur état de santé, et la technologie biométrique qui a été mentionnée par mon collègue de Gemalto est en effet un outil formidable pour éviter les doublons et pour finalement éviter la fraude. Ce sujet est d'une importance stratégique pour la Banque mondiale, qui, comme vous savez, a comme objectif de lutter contre la pauvreté et de promouvoir la prospérité dans le monde. L'importance du sujet d'identification numérique a été soulignée par notre tout nouveau président, Dr. Jim Kim, qui, lors d'une conférence qui a été organisée à Washington il y a quelques mois, a dit que l'identité numérique était en effet une « killer app », donc autrement dit, une application très puissante dans la lutte contre la pauvreté. La banque a depuis mis en place des actions visant à développer une stratégie propre en matière d'identification numérique. Nous avons actuellement à la banque une centaine de projets, qui sont d'ailleurs dans vos pays respectifs, qui contiennent une composante d'identification numérique. Ce n'est pas toujours un projet unique qui se focalise sur l'identité ou l'identification, comme les registres nationaux, comme les registres de pièces d'identité, de passeports biométriques, mais c'est plutôt des composantes de projets d'identification dans un plus grand projet d'identité ou de gouvernance, d'amélioration de l'administration fiscale, etc. Nous avons également mis en place des moyens pour accompagner, vous accompagner, dans la mise en œuvre de ces projets, pas uniquement par le financement, évidemment, mais aussi à travers une communauté d'experts en identification numérique qui a été établie et que je gère à Washington DC, mais qui comprend des experts du monde entier. Nous voulons tout particulièrement souligner le savoir-faire de la France dans ce domaine et nous avons déjà engagé avec la France une collaboration fructueuse dans ce domaine. Cette action s'inscrit dans le cadre de la stratégie TIC de la banque qui a été adoptée en 2012. Voilà un petit peu sur les actions en place. Je voudrais revenir sur l'exemple que j'ai mentionné en début de mon discours, notamment ce pays qui était démuni face au problème de l'identification. Nous avons réussi à l'aider grâce à cette communauté d'experts. Et maintenant, ce pays, donc, qui est dans mon pays d'origine, est un des leaders, en Europe en tout cas, sur l'identification mobile. Donc nous utilisons les technologies les plus innovantes pour permettre au gouvernement de se doter des moyens permettant à délivrer des meilleurs services aux citoyens qui sont du domaine de l'assistance sociale, de l'e-santé, comme cela a été mentionné, etc. Voilà un petit peu. Si vous avez des questions, je suis ravie de vous rencontrer. Je vais continuer par ailleurs en Afrique, là en mission. Je vais en Guinée, donc je suis tout à fait heureuse d'être là. Je vous remercie.